Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Bonjour, vous êtes bien sur Carte sur table. Il est des aventures humaines qui forcent le respect, et Chêne est de celles-là. Avant même que l'Arménie ne devienne indépendante, un groupe de professeurs et d'étudiants de l'Institut Polytechnique de Yerevan se sont mobilisés pour essayer de venir en aide à leurs compatriotes, durement touchés par le tremblement de terre et par la guerre en Artsakh. Leur approche ne visait pas à apporter une aide à court terme, mais permettre aux habitants des zones rurales de pouvoir vivre sur leur territoire et assurer ainsi la pérennité de ces petites structures locales. En 31 ans, plus de 350 micro-projets ont été réalisés, et les projets sont encore nombreux. À l'heure où, on l'a vu cet été, le Premier ministre et le gouvernement arménien cherchent à mettre en avant des projets d'agrotourisme, d'agrobusiness, de production biologique, Chêne apparaît un peu comme un mouvement précurseur. On pourrait même presque dire avant-gardiste, puisque Chêne a cette idée du développement pérenne et éco-maîtrisé qui remonte dès ses premières années. Pour pouvoir atteindre leurs objectifs, Chêne a créé le premier partenariat pan-arménien avec sa structure sœur Chêne France, où là aussi, un petit groupe d'amis et de militants se sont regroupés pour aider l'Arménie et surtout Chêne. C'est une véritable chaîne d'amitié, avec un petit jeu de mots, qui s'est créée entre la France et l'Arménie. Pour donner corps à ce projet et pour trouver des financements, il fallait aussi trouver un événement populaire qui rassemble les sympathisants. Cela a été la braderie de Chêne, où des objets de l'artisanat arménien, des livres et bien d'autres choses sont vendus chaque année pour financer les opérations à venir. Pour revenir sur l'histoire et l'approche de Chêne, sur les projets en cours et à venir et en Artsakh, car l'Artsakh occupe une place importante pour Chêne, et sur la braderie qui aura lieu cette année, j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission trois éminents membres de Chêne, Ovanes Kulçeyan, René Martayan et Souren Karagosyan. Merci messieurs, bonjour et bienvenue sur l'antenne de Hype FM. Bonjour. Bonjour. Alors, Ovanes Kulçeyan d'abord, revenons un peu sur l'histoire de Chêne. Comment s'est créée cette organisation ? Tout d'abord, j'aimerais remercier Hype FM de nous recevoir une nouvelle fois et de permettre de présenter Chêne, bien que déjà connu de nombreux auditeurs. Comment s'est créé Chêne ? En fait, vous l'avez bien évoqué et résumé dans le préambule. Chêne en Arménie a été créé en 1988 par un groupe de professeurs, vous l'avez rappelé, et qui a été reconnu et légalement enregistré dès 1988 par les autorités administratives. Cette association qui a été confrontée au conflit du Karabakh et aux conséquences du séisme avait pour objectif de revitaliser les zones frontalières abandonnées par les paysans sans ressources. Et c'est à la rencontre de ces besoins et des militants de Chêne Arménie durant le conflit du Karabakh qui allait accélérer la création de Chêne France, qui a été déclarée en septembre 1990. En fait, c'est la rencontre humaine entre des membres de Chêne Arménie et des militants à l'époque en France, au niveau de la diaspora, que s'est créée Chêne France. Alors, c'est vrai que depuis, Chêne en Arménie, après l'indépendance en 1991, est devenue une ONG. Et elle porte l'essentiel de ses projets en Arménie, laissant à Chêne Artsakh et Chêne Géorgie leurs propres projets qui bénéficient également de l'aide financière de Chêne France. Alors Chêne Arménie, ça représente combien de personnes ? Écoutez, il est difficile de donner un nombre de membres de l'association. Chêne Arménie, pour donner un exemple, gère des budgets de plus de 1 million d'euros par an. Ah oui. Donc, il y a des membres permanents, donc salariés, en tant que ONG, et il y a de nombreux membres de l'association dans les différentes régions qui, bénévolement ou rémunérés, travaillent pour l'association. Il est très difficile pour nous de déterminer le nombre exact de membres. Alors, si je peux intervenir, parce que les chiffres, je les ai obtenus en avril, quand je suis allé en Arménie, j'ai posé cette question au directeur Haïk Minassian, et il semble qu'il y ait une quarantaine de personnes qui soient à temps plein, et il y a des gens qui sont sur des projets qui sont finançables
je dirais, c'est-à-dire qu'on présente un projet à des institutions qui sont susceptibles de les financer, et ces gens-là, qui sont souvent des spécialistes de haut niveau, donc viennent pour ce projet. S'il marche, ils restent. Mais ils sont embauchés pour la période, je dirais, de la mise en place de ce projet. D'accord. Et quels sont justement les axes retenus pour les différents projets de chaîne ? De chaîne Arménie ? Chaîne Arménie. Ben, les différents projets sont dans des domaines d'activité diverses, essentiellement axés au départ dans le domaine agricole et du développement biologique de l'agriculture, au départ. Ce qui est quand même pour l'Arménie, dès ces années-là, quand même une nouveauté. Chaîne Arménie a été le précurseur dans ce domaine-là, il faut le reconnaître, et actuellement est très bien, disons, placé dans le domaine de l'agriculture biologique. Alors, le but, évidemment, de Chaîne au départ était de donner la possibilité aux habitants de rester sur place et leur donner des moyens de vivre également en activité ou en ressources. Donc, cela signifie en voir des structures sociales dans les villages qui permettent aux personnes de rester. Tout à ça fait. Ça commence par des écoles, des dispensaires. Des dispensaires, des écoles, des centres communautaires. Pour éviter, disons, le départ des habitants. Toute une infrastructure au niveau de la capacité aux villageois de rester sur place avec les écoles d'une part et tout l'environnement des écoles, gymnases, stades de loisirs et parcs de loisirs également. Alors, une des autres nouveautés qu'a apporté Chaîne, c'est que Chaîne a été à l'origine de la création de communautés agricoles. C'est-à-dire carrément de villages qui se sont créés autour d'un projet de chaîne. Tout à fait. Et au démarrage, il y avait également le démarrage de tout ce qui était production de fruits secs autour de ces villages-là. Il y a eu, je crois, une quinzaine de villages qui ont été ainsi créés. Oh, non, plus que ça. Plus que ça. Oui. Donc c'est un rôle très important. Donc deuxième aspect, c'est effectivement l'agriculture biologique, mais vous êtes allé même au-delà, puisque vous avez également créé des coopératives agricoles, c'est-à-dire l'idée de mettre en commun le travail des agriculteurs. Exact. Et de pouvoir transformer leurs produits pour pouvoir les vendre. Exact. Oui. Ok. Je ne peux pas dire plus, hein, c'est... Alors, parlez-nous peut-être un peu plus maintenant de la troisième branche qui se développe, c'est sur les revenus non agricoles, et notamment sur le développement du tourisme agricole. Alors, c'est un projet qui est très récent, et que Chaîne Arménie essaye de développer depuis 4-5 ans, effectivement, d'un tourisme agricole, et avec la possibilité d'accueillir des touristes dans des régions campagnardes ou... éloigné de Yerevan afin de bénéficier d'un environnement non citadin. Oui. Et donc c'est à la fois des maisons d'hôtes, des chambres d'hôtes. Des chambres d'hôtes, des maisons d'hôtes comme on en connaît en France, effectivement. Il y en a autour du lac Sevan, par exemple. Alors René Martaillan, l'action de Chaîne en Arménie, c'est effectivement de la construction, mais pas seulement. Il y a un accompagnement qui est fait, notamment avec de la formation, des supports qui sont faits. Oui, alors Chaîne Arménie, effectivement, accompagne, et ils ont des spécialistes pour ça. On peut voir qu'ils réunissent des gens dans les villages pour leur expliquer, par exemple, en mode agriculture ou dans d'autres domaines. Et il y a des centres qui sont, je dirais, installés. J'ai pu à nouveau visiter un de ceux-là qui se trouve à environ une heure de Yerevan. Et il y a effectivement là, déjà, bon, ils ont 15 hectares de vergers, qu'ils ont retiré les pierres pour pouvoir planter des vergers il y a déjà quelques années. Et puis il y a tout un tas de gens qui des villages aux alentours qui sont des employés et qui travaillent dans ces domaines. Ils font également du miel, par exemple. Ce sont des centres où ils peuvent former des gens.
Ils ont un bâtiment, d'ailleurs, qui est assez bien fait, où, avec leurs spécialistes, qui sont donc à Yerevan, mais qui déplacent en fonction des besoins, ils vont les faire venir, ils vont rassembler l'ensemble des gens qui sont intéressés et leur faire une communication. Et donc, sur ce travail qui se fait en Arménie et en Artsakh, parce qu'on rappelons quand même que l'Artsakh, c'est un morceau important de... Très important, oui. Important. Comment se positionne Chêne par rapport aux autres organisations humanitaires qui travaillent en Arménie? Quelle est sa spécificité? Y a-t-il une spécificité? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Chêne a été vraiment à l'origine, dès la chute du soviétisme, de pouvoir s'organiser en association, parce que c'était quand même la première association déclarée en 88, il n'y en avait pas 36 000 à l'époque. Donc, c'est beaucoup le fait, qu'ils s'intéressent au village, par exemple, frontalier, c'est très important. Oui, en zone rurale. Absolument. Par exemple, la première intervention que j'ai faite au titre de Chêne France, c'était un village qui s'appelle Yarnadjur, qui se trouve à 2200 mètres d'altitude, à la frontière georgienne et turque. On est à 5 km des deux côtés. D'ailleurs, on voit les soldats russes qui sont là, dans le village. Ce village, abandonné par les Azéris au moment où la guerre a commencé, et où les structures des bâtiments, c'était des squelettes. Moi, quand je suis arrivé, il y avait quelques maisons, puis le reste, c'était on avait brûlé aussi, il faut dire que les gens qui étaient dans les villes avaient froid pendant un certain hiver, ils avaient enlevé tout le bois qui existait. Donc je suis trouvé devant des squelettes à refaire. Bref, ce village-là, il a été rééquipé, et non seulement en structure de maisons habitables, puisqu'on a même mis l'eau, la salle de bain, la cuisine, etc. Une année, on a mis de l'argent pour que ces gens-là puissent effectivement habiter dans des maisons confortables, au point où quelqu'un m'a dit, même dans les villes, il n'y a pas ce confort. Mais ça a été effectivement un engagement. Mais le fait est, c'est qu'on a rééquipé en habitant ces maisons avec des gens qui sont venus de la ville, comme Gyumri, qui avait été donc soumis au tremblement de terre, comme tout le monde le sait. Et on leur a dit, voilà, on vous donne une vache, on vous donne 6 mois d'électricité et de nourriture, et le reste, vous vous débrouillez. Ben, y a des gens qui sont encore là. Y a 20 maisons qui sont à habiter, et à côté dans ce village, donc ce village, il vit avec de l'élevage. Alors comment Chêne Arménie choisit ses différents projets? Comment ils choisissent tel village, ou comment ils analysent les besoins? On l'a dit, hein, ils sont tous plus ou moins issus de l'école polytechnique de Yerevan. Donc ce sont des ingénieurs, ce sont des professeurs. Donc comment Chêne Arménie choisit ses différents projets? Il y a dans chaque région pratiquement quelqu'un qui est du même niveau et qui représente Chêne Arménie. Un maillage local absolument, important. Absolument. Je vais prendre juste l'exemple qui est tout récent, puisque moi, j'ai été donc en Arménie pour mettre en place des projets, on en parlera tout à l'heure. Ces projets sont initiés par le représentant de Chêne Arménie qui se trouve, puisque là, la région dont on va parler, c'est le Tavouche. Et c'est lui qui, lorsque nous avons demandé à nos partenaires arméniens et amis de nous trouver des projets, c'est celui qui représente Chêne en Arménie, qui sur place, qui va un peu à l'écoute des uns et des autres, qui a trouvé les projets. Donc on identifie les projets au niveau local, on les fait remonter à Chêne Arménie, qui a un conseil d'administration, qui choisit comment répartir le budget. Alors, nous, par exemple, quand on a su qu'on pouvait s'engager sur des projets, par exemple, d'école maternelle dans le Tavouche, on leur a posé la question, montrez-nous des projets qui sont dans l'éducation. Donc, on a eu 3 maternelles en projet de réhabilitation.
Et c'est venu par le représentant de chaîne Arménie. D'accord. Et quand je suis allé en Arménie, donc j'ai discuté sur ces projets, je suis allé les voir, j'ai pu établir un diagnostic technique de ce qui était et des travaux à établir pour la suite. Bon. Donc ça vient effectivement par le réseau. Alors on l'a dit, la connexion avec la branche française de chaîne Arménie s'est faite dès le départ avec une forme de groupe d'amis qui se sont connus et qui se sont appréciés dans leur travail mutuel. Comment encore aujourd'hui se fait la connexion entre chaîne Arménie et chaîne France ? Elle se fait déjà tout naturellement par des visites mutuelles, déjà. Donc vous allez sur place, vous suivez les projets sur place que chaîne Arménie France finance. Que chaîne France finance. Oui. Effectivement, d'ailleurs René en parlera tout à l'heure. Effectivement, dès l'instant où il y a une proposition de chaîne Arménie à chaîne France sur tel et tel projet, en fonction de notre décision ici à chaîne France, nous prenons la décision donc de financer totalement ou en partie, mais en général c'est totalement. Et à la suite de ça, donc René Martaillan élabore le projet technique, le présente donc à chaîne Arménie. Et évidemment, fait une visite de pré-chantier, et puis après une visite de chantier, donc qu'il expliquera par ailleurs. Ouais. Alors, on l'a dit, chaîne Arménie est basée beaucoup sur des ingénieurs, des professeurs de Polytechnique. Est-ce que c'est un peu le même profil pour chaîne France ? Il y a un peu de tout, hein, chaîne France. En fait, chaîne France a été, dès le départ, constituée par des militants, hein, on peut dire de la cause, hein, la cause arménienne. Donc, c'est développé au fur et à mesure des années. Chaîne France a des membres, des ingénieurs, des salariés de toutes professions. Des médecins, des pharmaciens, des actifs et des retraités. Beaucoup de retraités. Alors justement, Soulaï Karagozian, vous représentez un peu la jeune génération, parce que vous n'étiez pas, nous avons quasiment le même âge tous les deux, nous avons fait les 400 coups ensemble, beaucoup plus jeunes, mais vous avez rejoint chaîne. Comment, pourquoi avoir choisi cette organisation-là? Déjà parce que moi j'étais sympathisant de chaîne parce que je pouvais aider tant que je pouvais aider sur la braderie par exemple, et effectivement ce qui m'a plu moi c'est les projets parce que c'est c'est tout de suite assez concret et c'est assez spécifique. La taille de l'association, on n'est pas une énorme association en France, donc c'est vrai que c'est assez agréable parce que du coup on se rend rapidement impliqué et rapidement intéressé à différents sujets, et puis c'est toujours agréable de se faire appeler un jeune quand on a 40 et quelques années. Oui. Alors, on reviendra tout à l'heure sur la braderie et le rôle qui est joué. On va maintenant passer un peu plus sur les différents projets qui sont en cours, parce que c'est en fait l'action tourne autour chaque année de ces projets. J'ai vu déjà que, en fait, les projets tournent sur 2 ans, c'est ça ? En fonction de, disons, des projets, effectivement, sur des gros projets sur 2 ans, effectivement, mais il y a des projets qui se terminent en une année, comme on l'a fait cette année. D'accord. Cette année a été assez exceptionnelle, René l'expliquera pourquoi, en termes de projets, effectivement, sur 1 an et demi de réalisation, effectivement. D'accord. Alors justement, René Martaillan, on va passer un peu à l'aspect pratique. Donc, il y a des projets, on va commencer d'abord par les projets en Alsace. Puisque vous avez commencé à en parler, on va commencer là-dessus, sur Aradjazor. Qu'est-ce qu'on a fait à Aradjazor pour chaîne? Alors d'abord, c'est à côté de Martakert, c'est un dispensaire. Ce dispensaire, donc, lorsque je suis allé le voir, il s'agissait non seulement de le réhabiliter, mais également d'y apporter un certain nombre d'éléments de reconstruction. Il voulait un cabinet dentaire, il voulait augmenter certaines surfaces, il y avait des sanitaires qui étaient du moyenâgeuse, moyenâgeux, et puis il y avait d'autres également équipements à réaliser. Comme pour chaque chantier, quand je suis sur place, donc
diagnostic d'abord, ensuite j'établis les travaux à réaliser, et puis on essaye de faire une estimation une fois qu'on est rentré à Yalevan, et ça a été le cas également pour ce dispensaire qui d'ailleurs est terminé aujourd'hui. Nous avons reçu les photos. Autant je suis allé pour le voir physiquement et pour voir un peu ce qu'il y avait à faire, autant je n'y suis pas retourné pour aller voir la fin des travaux comme j'ai pu le faire pour les deux maternelles dont on parlera tout à l'heure. Mais ce que on a pu en voir, puisque les photos sont arrivées, m'ont convaincu que la réalisation était correctement faite. Alors dans ce village, il y avait dans un dispensaire, c'est une structure qui comprend un médecin, une infirmière. Il y a un médecin, il y a une secrétaire, et puis il y a également des infirmières qui soignent, qui vont prendre l'attention, qui vont distribuer des médicaments lorsqu'il y en a, qui vont assurer les premiers soins, je dirais, à chacun de ceux qui vont venir en visite. Et là, ça sert pour une population de combien de personnes? C'est plusieurs villages qui sont concernés. Oui. Je ne peux pas dire exactement quel est le nom, mais c'est certainement que c'est beaucoup de villages, comme on avait fait d'ailleurs à 60 km au nord de Yerevan, il y a quelques années. Nous avons restructuré complètement un dispensaire très important, beaucoup plus important que celui-là, puisqu'il existait deux niveaux de 400 m². Il y en avait un, celui du rez-de-chaussée, qui était en fonction, et nous avons réhabilité le haut, c'est-à-dire qu'on a mis 800 m² en activité pour 7 villages. Et là, c'est plus petit. Mais c'est complètement modernisé avec des sols, des carrelages, des sanitaires parfaitement, l'eau pour chaude, tout ce qui est hygiène, etc. Tout ce qui est hygiène, c'est le gros problème de l'Arménie, malheureusement, que ce soit au niveau des dispensaires ou que ce soit dans les écoles. C'est complètement délaissé, la partie sanitaire. Et nous, on a mis un point d'honneur à ce que chaque fois qu'on fait un projet, si le sanitaire n'existe pas, on l'impose. On l'impose, mais on le paye, évidemment. Alors, ça représente un budget pour ce projet-là? Alors, celui-là, il était à 33 000 euros environ. D'accord. Et donc, effectivement, le fait de pouvoir avoir un dispensaire pour un groupe de villages, ça permet d'avoir la certitude d'avoir un médecin et donc ou des infirmières, et donc potentiellement de ne pas, quand on est malade un peu chronique, de devoir partir et devoir aller vers les plus grandes villes, etc. Donc tout ça, à fait. Ça permet de maintenir les villageois dans les villages. Absolument. C'est d'abord au niveau, je dirais, pour quelqu'un qui veut se faire suivre, par exemple, c'est à proximité. Il n'est pas obligé d'aller à Martakert ou à Spalagert. Et c'était vrai aussi dans l'autre dispensaire qui est de Nelkin Pasmapert, où un hôpital, celui de Tallinn, n'est pas très très loin, il est quand même à 50 km. Mais là, ils avaient quand même les premières, je dirais, renseignements au niveau, je dirais, des soins, des pathologies pour tous ceux qui voulaient venir. Et c'était gratuit. Ben... Parfait. Alors, au deuxième aspect que vous développez, c'est la rénovation d'écoles ou de classes. Je pense notamment à Nerkin Oratar. C'est le deuxième projet. Alors, il y a deux projets qui sont des écoles maternelles. Toujours en Arsakh, hein? Arsakh, on a fait juste le dispensaire. Par contre, les maternelles sont dans la région du Tavouche, au nord de cette région et collées à la frontière géorgienne. On est vraiment dans un espace étroit puisqu'on a à 12 km l'Azerbaïdjan. Et heureusement, les écoles sont plutôt du côté de la Géorgie. Ces deux écoles, donc, l'une se trouve à Arklis, qui est un village de environ 700 habitants, et l'autre projet est à Artanag, qui est à 5 km au nord, et qui est aussi donc collé à la frontière géorgienne. Il faut dire que nous avons pu faire ces trois projets, parce que il y a celui de l'Arsakh, parce que nous avons eu exceptionnellement un legs,
C'est au début de l'année, lorsque nous avons su que ce legs nous était acquis, on a pu immédiatement... Il faut parler dans le micro. On a pu immédiatement envisager ces projets. C'est important de le dire parce que pour une association comme la nôtre, il n'était pas évident que nous puissions bénéficier de la totalité du legs. Nous ne sommes pas reconnus d'utilité publique. Ça pourra se faire un jour éventuellement, mais aujourd'hui, nous ne le sommes pas. Et le fait d'avoir un legs, on s'inquiétait de savoir si on serait exonéré des droits. C'est 60% quand même que l'État peut prendre si on n'arrive pas à expliquer le comment à l'administration fiscale. C'est ce que nous avons fait. Il se trouve que la loi permet, et là il y a deux mots magiques qu'il faut connaître, à une association comme la nôtre, à partir du moment où son objectif est l'assistance et la bienfaisance, de pouvoir être exonérée de droits. C'est ainsi que l'administration fiscale nous a accordé, parce que nous avons montré ce que nous faisions jusqu'alors, et qu'elle a été parfaitement convaincue sur dossier que, effectivement, nous répondions à ses objectifs. À partir de là, nous avons obtenu la totalité du legs, hormis évidemment les droits de notaire, et c'est ainsi que cette somme d'argent qui est conséquente, je peux donner un chiffre, les budgets pour les écoles et pour le dispensaire, c'est 230 000 euros. Et c'était tout à fait exceptionnel parce que effectivement la braderie ne nous apporte pas malheureusement autant d'argent. Bien, l'objectif du legs, et c'est important de le savoir, celui qui était le donateur avait effectivement demandé à ce que ça soit l'Arménie qui en bénéficie. Quand je dis l'Arménie, c'est étendu à l'Arsar, hein, parce que pour moi c'est pareil, et également dans l'éducation. Donc on a répondu à cet objectif en allant chercher effectivement des maternelles, en demandant à nos partenaires donc de nous montrer ces projets. C'est ainsi qu'en avril, je me suis rendu sur place. Et c'est ainsi que sur les trois maternelles qu'on nous a présentées, je n'ai pu malheureusement qu'en prendre deux. Parce que les travaux qu'il y avait à faire ne permettaient pas d'engager la troisième maternelle. Donc nous avons budgété 200 000 euros pour les maternelles, 30 000 et des poussières pour le dispensaire, et nous avons immédiatement, donc, quand on a eu à peu près la masse financière pour pouvoir faire ces travaux, quand je suis rentré à Paris, donc le bureau s'est engagé et a contracté avec nos amis de l'Arménie pour pouvoir lancer ces trois opérations. Je parle aussi du dispensaire en même temps. Nous avons demandé à ce que des photos nous arrivent à ce moment-là pour qu'on puisse suivre les projets avec les photos. Et puis je leur avais dit, de toute façon, je reviendrai pour voir les travaux avant qu'il se termine, pour voir un petit peu comment ça s'est fait, s'il n'y a pas de difficultés majeures, etc. C'est ce qui s'est fait, effectivement, puisque en octobre, je suis retourné. J'ai pu voir les deux maternelles, puisque il n'y en a eu que deux qui ont été pris en compte. Et ce que j'ai vu m'a effectivement convaincu que la finalité allait être heureuse. Il y a le projet d'Archis, la maternelle, c'est la moitié de la maternelle qui est en rénovation, réhabilitation. Mais nous avons repris également le toit, parce qu'il n'y avait pas de faîtage, il y avait de la rouille, etc. On n'a pas laissé, il fallait réparer là aussi. Et ce projet donc est à 85%, avancé à 85%. Et celui de Artanag, qui est un bâtiment où quand même il faut donner des surfaces, il y a en niveau plancher, il y a 500 mètres à peu près, de mètres carrés. C'est un bâtiment sur deux niveaux, de l'ère soviétique, des gros murs, je dirais, mais complètement vétuste. Et pourtant, il y avait une section maternelle à l'intérieur. C'est pour dire qu'il travaille dans des conditions épouvantables. Il faut emmener sa boîte de Kleenex, quoi, quand on est là. Hein. Et donc, moi, j'ai décidé que ce bâtiment-là, on le refaisait à 100%. J'ai fait enlever la toiture, on l'a, en plus c'était du fibro-ciment, donc on a mis une toiture en bac acier, charpente acier, peinte, très belle couleur, tout a été refait, deux pieds en cap.
Il y avait combien d'enfants dans cette maternelle? Il y avait 30 enfants. Ça va doubler les effectifs dans chaque école. Alors, il faut savoir, parce que c'est intéressant, là, je coupe un peu, parce que d'une pierre, on fait trois coups, et j'explique. Lorsque Chaîne Arménie a demandé, pour trouver des équipes qui pouvaient travailler sur ces chantiers, elle a demandé au maire, avez-vous des gens capables d'exécuter des travaux de maçonnerie, de carrelage, d'électricité, de peinture? Le maire, il a dit, j'ai ce qu'il vous faut. Aussi bien à Arclis, où quatre personnes ont été embauchées, qu'à Artanag, où il y a une équipe de 7 personnes. Ces gens-là devaient partir en Russie pour travailler. Donc, quand ils ont su qu'ils étaient payés au moins aussi bien qu'en Russie, ils sont restés, ils avaient moins de frais, déjà, ils rentraient tous les soirs chez eux, et ils gagnaient au moins autant, parce que je connais aussi les salaires qu'on leur donne. Donc, ça, c'est Chaîne Arménie qui les a embauchés, et donc, ces gens-là travaillent sur place. La deuxième chose qui est intéressante, c'est de savoir qu'une fois que la maman a déposé son enfant dans la maternelle, elle peut, si elle a un petit job dans un coin, elle peut gagner quelques sous. Parce que l'enfant, il est gardé du matin jusqu'au soir. Il mange sur place. Il faut savoir que dans ces deux maternelles, on va faire des cuisines équipées modernes. Actuellement, ce sont des cuisines qui datent, je dirais, un peu. Moi, c'est des cuisines top. C'est le matériel comme en France. Donc, au niveau sécurité, c'est exactement la même chose. Et ces enfants sont nourris sur place. Et les mamans peuvent travailler, apporter un petit peu d'argent donc à la maison. Voilà un peu aussi comment, je dirais, le fait de travailler en Arménie ou en Artsakh apporte également d'autres solutions. Alors, on a dit, donc, 30 enfants pour Artanag. Arclis également, on va doubler la capacité. Absolument. On va être à 50 enfants à accueillir. Un peu plus même. Un peu plus. Et puis donc, il y a le troisième. Donc, il y a eu deux bâtiments qui ont été réhabilités. Alors, dans le cours de l'été, nous avons appris, car nous avions, nous, budgété 200 000 euros pour ces écoles, les deux écoles maternelles. C'était quand même du lourd pour un des bâtiments. À l'intérieur de ce budget, il y avait également une certaine somme d'argent pour les équipements de la cuisine, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des cuisines modernes, et également l'équipement des enfants, les lits, les chaises, les tables, etc. Nous avons appris donc au courant de l'été que Madame Pachinian, la femme du Premier ministre, oui, à travers une association... Sa fondation Imkail. Alors, je ne sais pas exactement le nom. Elle avait... demander à intervenir en participant financièrement pour prendre en charge les équipements de la cuisine et les équipements des écoles. Bon, nous, on a dit pourquoi pas. Bon, on retirait, je dirais, une partie de l'argent qu'on avait prévu, ça nous soulageait un petit peu. Et donc, bon, on espère que tout ça va se passer correctement. Mais en même temps, je pensais, j'en ai parlé au bureau de Chaîne, je me suis dit, bon, l'argent qui nous reste, qu'on n'a pas investi dans ces deux écoles, puisque Mme Pachinian veut mettre une partie financière, nous pourrions, si les bénéfices de la braderie le permettent, de pouvoir s'engager sur la troisième maternelle qui, sans doute, ont été très déçus que j'ai pas pu leur donner, je dirais, aussi raison pour pouvoir les réhabiliter. Donc, si l'année prochaine, les bénéfices, dès décembre, janvier, on va savoir, et avec l'argent qui nous reste, si tout va bien, on pourrait s'engager également sur cette maternelle. Alors, autre aspect, au-delà des maternelles et des dispensaires, vous intervenez également sur les réseaux d'eau potable, notamment à Navour, dans la région du Tavouche. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet, Ovades? Brièvement, mais simplement. Alors, évidemment, nous avons sollicité également Chaîne Arménie pour avoir un projet dans la possibilité d'adresser également la demande à la Fondation Bulukian. Et la Fondation Bulukian acceptant ce projet, donc nous avons démarré donc la réalisation de la réhabilitation de tous les conduits d'eau potable dans le village de Navour, permettant donc d'accéder
aux habitants l'eau potable dans leur maison. Ce projet a démarré en été et se terminera fin novembre, permettant donc aux villageois, d'ailleurs sur la plaquette, avec plaisir, nous voyons une maman avec son enfant boire au robinet. C'est quelque chose quand même de tellement satisfaisant pour nous de voir ces projets se réaliser. Et on profite également pour remercier donc la Fondation Bolucan pour la deuxième fois de nous aider dans de tels projets. Le coût du projet de Navour s'élevant à 25 000 euros. Alors, depuis 31 ans que Chêne fonctionne, et Chêne France, donc depuis 29 ans, il y a un peu plus de 350 projets qui ont été réalisés. Oui. Est-ce qu'il y a aussi un suivi de ce que deviennent ces projets, même 10 ans après qu'ils ont été... parce qu'on arrive aussi à des moments où il y a peut-être quelques... à remettre un peu encore, à refaire encore un peu de choses. En général, nous les suivons, effectivement. Alors peut-être que les premiers projets des années 1990 en Artsakh, on n'est pas allé souvent, effectivement, dans les villages autour de Harav Nadoun, etc. Mais nous sommes sensibles quand même à avoir des informations via la chaîne Arménie sur ces projets-là, qui ont été réalisés et non, pardon, délaissés. Mais par contre, comme par exemple les visites au dispensaire de Nelkin Pazmapet, par exemple, dont René parlait tout à l'heure, dans le village de Yernajoul, où il y a également une colonie d'été, nous permettent d'y aller régulièrement, en fonction de nos possibilités et de nos voyages, pour voir où en est le projet réalisé, s'il y a un besoin d'un suivi ou pas. Effectivement, nous suivons et nous écoutons, évidemment, nous sommes à l'écoute des demandes de Chêne Arménie dans ce domaine-là. Alors justement, sur les projets, par exemple, un peu plus économiques, il y a eu des projets de coopératives de séchage de fruits ou de légumes. Donc ces projets se développent, ils continuent à produire. Absolument, absolument. Et Chêne Arménie est un des leaders, disons, en Arménie dans ce domaine-là, oui. D'accord. Nous avons démarré, mais Chêne Arménie a développé énormément ses projets. René Martaillan. En ce qui concerne les écoles maternelles, par exemple, c'est des contrats qui sont passés entre Chêne Arménie et les villes, les villages. Les villages. Car les écoles maternelles ne sont pas prises en charge par l'État. Et lorsqu'il y a réhabilitation, ce sont les communes qui s'engagent effectivement avec effectivement les fonds qui viennent de l'extérieur. Mais Chêne Arménie regarde très près l'état des lieux. Une fois qu'on leur a donné les clés, le maire s'engage à entretenir le bâtiment. Et si jamais... Et Chêne Arménie m'a dit qu'ils étaient à 40 maternelles réhabilitées. On n'est pas les seuls à en faire. Hein. Il y a d'autres financements qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur et qui permettent de faire effectivement ces réhabilitations. Le contrat... Chêne France n'est pas le partenaire exclusif de Chêne Arménie. Pas avec nos moyens, c'est impossible. Vu la masse d'argent qu'ils drainent avec des projets et des financements qui viennent de l'étranger, de tous les pays et de toutes les nations ou de tous les organismes, il y a effectivement des projets qui sont élaborés. Nous sommes peut-être les plus anciens, mais malheureusement nos fonds ne permettent pas de faire tout. Et je termine donc pour dire que les maires s'engagent et que si l'engagement qu'ils ont signé n'est pas assumé, ils peuvent fermer l'école maternelle. Oui, je voulais ajouter en termes de budget, je l'ai déjà mentionné, mais Chêne Arménie tourne sur un budget annuel de plus de 1 million d'euros. Donc les aides ne viennent pas uniquement de Chêne France. Par contre, ce qu'on peut signaler et le dire avec fierté, c'est que c'est Chêne France qui, à l'origine, a permis d'avoir un local à Chêne Arménie pour pouvoir se développer. Rue Sayat Nova. Donc, alors, justement, aussi, vous avez évoqué des coopérations avec la Fondation Bolucan ou par un legs qui a pu être réalisé l'année dernière. Comment s'effectue cette coordination avec les autres organisations arméniennes qui travaillent dans le monde de l'humanitaire ?
Est-ce que... en ce qui nous concerne, nous avons des relations ponctuelles avec certaines associations. En ce qui concerne Chaîne Arménie, évidemment, c'est beaucoup plus large et soutenu. En ce qui nous concerne Chaîne France, nous avons, par exemple, avec l'UMAF, qui a tous les ans sa campagne de lunettes pour les Arméniens, se rapproche de Chaîne Arménie en ce qui concerne toute la logistique. Donc, nous sommes le relais entre l'UMAF et Chaîne Arménie pour cette opération. Pour d'autres, nous n'avons pas de relation directe avec d'autres associations, étant donné que chacun, je pense, travaille dans son domaine. Nous avons l'avantage, je pense, par rapport à d'autres, d'avoir un pied, disons, en Arménie, important. Un relais important avec Chaîne Arménie. Oui. Donc nous, on essaye de proposer nos propres projets, évidemment, mais nous sommes également très liés avec les opérations de Chaîne Arménie. Alors, quelles sont les opérations? On a parlé des opérations qui sont en cours. Est-ce que d'ores et déjà, il y a des nouveaux projets qui sont en préparation? Alors, les nouveaux projets sont liés au financement, oui, évidemment. Donc, pour parler de financement, Chaîne France a sa principale ressource jusqu'à ces dernières années, c'était les bénéfices de la braderie, donc l'événement annuel que nous avons depuis 1992, organisé donc au collège Samuel Mourat. Malheureusement, on ne peut plus le faire là-bas. Et en fonction donc des dons également que nous recevons au courant des années, les projets sont plus ou moins déterminés à la fin donc de l'année calendaire, c'est-à-dire après la braderie, pour pouvoir déterminer. Parce que nous ne faisons pas de projet sans financement, ça c'est clair. D'accord. Il faut qu'il y ait le financement pour pouvoir définir le projet. Absolument. Ce qui garantit effectivement... Ce qui garantit la réalisation du projet. Absolument. Absolument. D'accord. Alors nos moyens sont, disons, depuis X années, depuis notre création, en fonction des années. En fait, le budget annuel de l'association Chaîne varie en fonction des années entre 30, 40, 60 000 euros. Et c'est effectivement une année exceptionnelle. Et avec cette année, comme l'a souligné René... exceptionnel, grâce au leg, nous espérons évidemment en recevoir davantage. D'accord. Voilà. Alors, Soulaine Caragosian. Il y a une chose que je pourrais ajouter au niveau des projets qu'on a oublié de citer, c'est en Artsakh la possibilité d'un équipement d'un laboratoire pour l'école. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent bien Tumo. En termes de, d'école, etc. Mais peut-être moins Armat. Armat est également un peu le pendant de la philosophie de Tumo, à savoir de mettre en place dans des écoles, dans des classes, tout un équipement pour les enfants de 8 à 15 ans, 16 ans, permettant d'aborder les problèmes d'ingénierie et de robotique. Et alors là, c'est un projet, contrairement à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est à la rencontre d'une rencontre avec Ovanès Gevorkian, qui est le représentant du Haralabar en France, que nous avons décidé, avec sa proposition, d'équiper donc une école, une classe difficile, Aratsdador, près de Martakert, une classe pour l'équipement de robotique permettant aux enfants d'être initiés, donc gratuitement d'ailleurs. Et on peut ajouter que Armat a créé plus de 250 classes en Arménie, en Artsakh. Donc ça, c'est un projet qui diffère un petit peu peut-être de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais bon, on pense aussi à l'avenir aussi. Alors, je peux ajouter, parce que tout à l'heure, René a précisé le fait de l'hygiène. De l'hygiène, un exemple, parce que bon, on y tient énormément. Lorsqu'on a reçu le projet de cette classe à Aratsdador, on a vu l'état des toilettes de l'école
Et on était outrés de voir ce type de, disons, de sanitaire que les enfants donc avaient. Et nous avons exigé, avant de faire l'acceptation du projet de cette classe-là, à l'école, de détruire et de rénover les toilettes. Oui. Voilà, c'est un exemple. C'est-à-dire que ça fait partie du, ça du fait deal partie de... que vous, qu'on passe avec l'école. Absolument. Voilà. D'avoir on, des parlait, on parlait c'est, d'hygiène c'est, tout à l'heure. C'est pas juste un don, c'est aussi des exigences de la part en retour, ce que l'a évoqué René Martaillan, dans le cadre du contrat qui est signé avec les maires locaux. Absolument. Voilà. Alors, Souren, on va revenir un peu sur la, la braderie de cette année. Qu'est-ce qu'on pourra trouver cette année à la braderie? Comme chaque année, on va retrouver des produits de l'artisanat d'Arménie, de l'épicerie, des livres avec des auteurs qui vont venir dédicacer. Je veux juste revenir sur le rôle d'un peu des jeunes au sein de l'association, parce qu'on a beaucoup parlé des projets. Et effectivement, on est une demi-douzaine de jeunes dans l'association, et notre constat, c'était de faire qu'à part la braderie, les gens avaient très peu d'informations sur les projets, sur le suivi, enfin sur le nombre de projets que l'association pouvait gérer, et sur le suivi des projets. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de créer, d'utiliser les réseaux sociaux qui existent, avec Facebook, avec un site internet, avec un compte Instagram, pour effectivement, les photos qu'évoquait René sur le suivi des chantiers, on les publie sur la page Facebook, ça permet à tous les gens de voir, presque en temps réel, mais l'avancée des travaux. On a les photos du début du chantier, donc on voit l'étendue des dégâts, comme évoquait René, et puis petit à petit, on fait évoluer les classes. Donc là, René a évoqué la grande école, on a quand même changé 25 fenêtres dans cette école, donc c'est qu'on sait qu'on se rend pas compte, mais avec les photos c'est plus parlant, parce qu'on se rend compte de l'ampleur des travaux qu'on a fait dans cette école. Et aussi dans le monde moderne, il est important de faire savoir ce que, et que les gens voient que leur argent est bien utilisé. Exactement, donc notre rôle en tant que jeune, j'aime bien ce mot, c'est aussi de faire connaître un peu plus l'association, et pas uniquement une fois par an à la braderie. Donc on utilise les moyens qui sont mis à disposition maintenant à travers les réseaux sociaux. Pour l'instant, c'est ça. Après, petit à petit, on va essayer de grappiller l'expertise de tous les gens qu'on a en face de nous, là, pour les accompagner un peu plus sur le concret, sur les projets. Alors, revenons un peu sur la braderie. Alors, où est-ce qu'elle a lieu cette année? Elle a lieu, comme l'année dernière, à la Maison des Arts au Plessis Robinson, donc les week-ends du 16 et 17 novembre, donc c'est dans 2 semaines, très exactement. Que dire d'autre? Donc ça, c'est au même endroit que l'année dernière. Alors, il y a une habitude à Chêne, dans la braderie de Chêne France, c'est qu'effectivement, vous avez été un peu là aussi un peu précurseur, c'est la vente de produits de l'artisanat d'Arménie. Ouais. Comment est venue cette idée et surtout, qu'est-ce qu'on pourra trouver cette année? Qu'est-ce que nos auditeurs pourront aller trouver? On y reviendra après. Mais concernant l'artisanat, écoutez, c'est une réflexion qu'on a eue dès le départ, lorsqu'on a créé la braderie. La braderie, au départ, elle n'était faite que de objets offerts par la communauté, brocantes, livres d'occasion, disques d'occasion, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure des années, on s'est dit, on aide Chêne Arménie d'une façon financière. Pourquoi pas aider également les artisans qui sont donc en Arménie? Et il y a eu une réflexion qui a été démarrée par Zaloui Torossian, qui avait des compétences également dans le domaine de l'art et de l'artisanat, qui a démarré un travail de visite de personnes, pas forcément au départ des artisans ou des artistes, mais des professeurs, des ingénieurs qui n'avaient à l'époque plus de travail et qui s'était mis dans l'artisanat. Et donc nous avons démarré donc ce travail de visite d'artisans, d'acheter auprès d'eux les œuvres qu'ils faisaient, de les porter donc à la braderie. Et ça a démarré avec un stand de peut-être de 2 mètres de longueur sur une table, et qui se termine maintenant, si les personnes sont un petit peu, voient les salles du collège au premier étage, sur une surface de 100 mètres carrés. Au moins. Et donc on y retrouve de la broderie. On y retrouve tout à fait de la broderie, de la poterie, de la céramique, des tableaux, des bijoux. Surtout des bijoux. Donc plein d'occasions de faire des beaux, jolis cadeaux de Noël.
Tout à fait. Et alors là, comme tout à l'heure l'a expliqué René, c'est double détente, c'est-à-dire que nous aidons l'artisan en Arménie en achetant ses produits, nous les vendons donc à la braderie, nous faisons un bénéfice et ce bénéfice se retourne donc, également dans les projets. Donc c'est gagnant-gagnant, comme on peut dire. Oui. Deuxième... Et je peux ajouter que certains artisans nous attendent de pied ferme avec parce qu'en fait certains c'est le revenu de leur année. Ah oui. Une anecdote avec des artisans, parce que il y a une équipe qui part chaque année là-bas avec une certaine somme d'argent pour faire des achats. De retour d'une année sur l'autre, on entend par exemple une dame qui travaille à la maison, mais qui produit effectivement un artisanat très recherché, dire « Grâce à vous, j'ai pu refaire mon chauffage cette année. » Alors ça, entendre ça déjà, ça comble tous nos objectifs. Le deuxième aspect, c'est la partie épicerie, puisque alors également de choses qui viennent à la fois des coopératives qui sont de chaînes, mais pas seulement. Mais il y a l'idée de mettre en avant la gastronomie arménienne. Oui, et je pense que René est bien placé pour ça, parce que c'est lui qui tient le stand de l'épicerie. Non seulement il suit les projets, mais il suit aussi l'épicerie. Oui. Alors, dans ce qui vient d'Arménie, ce sont déjà des fruits secs en grande quantité. Ça, c'est le produit exclusif de chaîne Arménie, et qui nous apporte, sa production. Et il y a là dans ce domaine, il y a tous les fruits secs qui peuvent exister, qui sont mis en œuvre là-bas. Mais il y a également des confitures, il y a du miel et il y a des produits effectivement qui viennent d'Arménie mais qu'on est obligé d'acheter en France. Alors j'explique là le fait est que c'est faire venir des produits d'Arménie, c'est sur le plan du transport, c'est très cher. Ça vient par avion, donc pour nous, si on peut trouver des produits qui viennent d'Arménie mais qui sont déjà dédouanés par des commerçants de chez nous, comme par exemple les vins. Nous avons deux sortes de vins qui sont exclusifs, des vins d'Arménie que j'ai sélectionnés parce que, moi je les ai goûtés et je les trouve effectivement à mon goût, mais effectivement ils plaisent énormément. Mais je parlais des confitures par exemple et également. Et puis il y a d'autres produits qui sont pas exclusivement de l'Arménie. L'Arménie n'a pas tout, mais on a aussi des conserves, par exemple, avec des conserves de feuilles de vigne. On a les variantes, par exemple, qui viennent d'Arménie. Tout ce que peut faire l'Arménie, on y a accès, d'une façon ou d'une autre. Et cette année, je crois qu'on va innover avec du miel. C'est ça. Alors, c'est un miel d'Arménie. Donc, il est du Karabakh, à vrai dire, de l'Arsar. Si ça convient, on essaiera. Je pense que vous allez faire fureur avec ce miel. Alors, on parle de nourriture terrestre, mais on parle aussi de nourriture de l'intellectuel. Il y a un stand de livres qui, là aussi, chaque année, prend de plus en plus d'importance. Et qui rejoint un peu maintenant les salons du livre tels qu'on peut retrouver à Alfortville, à Livry-Gargan ou en région parisienne. Oui, exact. Peut-être pas un salon, mais enfin, c'est la fête du livre un petit peu dans le contexte de la braderie, effectivement. Et puis cette année, je vais citer un peu les personnes qui... Oui, parce que les auteurs viennent pour dédicacer leurs livres. Les auteurs viennent pour dédicacer leurs livres et puis s'entretenir avec les visiteurs. Alors, à ce jour, puisque tout le monde n'a pas répondu au moment de l'impression de la plaquette, seront présents donc Patilia Abrahamian, Satenik Badbagan Toufanian, Thomas Dylan, Anna Isabekian Anglaret, Rubin Koulaskayan, Chant Marjanian, Seta Papazian, Philippe Traversian, Siranouche Paloyan et Tikran Yegavian. Bien sûr, d'autres viendront s'ajouter, mais on n'a pas pu
ils imprimaient au moment de l'apparition de la placate. Voilà. Donc c'est un événement également dans le contexte de la braderie, un peu la fête pour les auteurs et pour les livres. Alors, un autre événement à l'intérieur même de l'événement, c'est la deuxième année que vous le faites, c'est un concours de photos. Qui peut nous en parler un peu? C'est un concours photo qu'on fait effectivement autour de l'été. Et depuis 2 ans, on affiche, les photos qu'on a reçues et on donne le gagnant de ce concours photo. Donc le thème de cette année m'échappe, mais je vais le retrouver. C'est Ombre et Lumière. Ombre et Lumière, merci à l'autre. Voilà, donc on a reçu une trentaine ou une vingtaine de photos, je ne sais plus exactement, mais voilà, donc l'idée c'est de, pendant la braderie, d'afficher ces photos qu'on a reçues par rapport à ce concours et de. On donne un thème. Pendant un certain temps, n'importe qui estime avoir fait une belle photo peut envoyer pour concourir. Et on reçoit des photos du monde entier et de gens pas exclusivement arméniens. Bon, ça commence. Et ça prend là aussi de plus en chaque année un peu plus d'importance. C'est la deuxième année qu'on le fait. On a plus de photos que l'année dernière, donc après de la tirer une conclusion. Mais bon, c'est sûr que ça prend de plus en plus de place. Et puis voilà. Donc si, tant que ça répond à un besoin, on va continuer. Le plus dur étant de trouver le thème. Oui. Un autre moment convivial le soir, puisque avant de passer au soir, personne ne le sait, mais enfin, elle n'est pas indiquée dans la plaquette. Il y aura également une deuxième exposition cette année. Pas de photos. Mais en fait, nous avons la possibilité donc de faire une exposition à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance du Père Comitas. Et cela avec une exposition qui a été préparée par les membres de l'Euphorie de l'église de Chaville. Donc, on les remercie pour cette initiative de nous prêter leur petite exposition en hommage au Père Comitas. Donc il y aura une exposition de photos, une exposition sur le Père Comitas. Tout à fait. Et puis également, généralement, vous présentez les projets en cours et vous faites un certain nombre de présentations sur les projets de chaîne Arménie. Absolument. Il y a également un stand permettant donc de voir tous les projets que nous avons décrit ce matin, avec en espérant peut-être d'ici là donc de futurs projets, étant donné qu'il y a déjà des projets qui vont un peu se terminer en 2020. Oui, effectivement. Il y a un stand important d'information. Alors je le disais, un autre moment important qui dans la vie de chaîne France et dans la vie de la braderie, c'est le repas convivial qui est organisé tous les ans. Le samedi soir. Samedi soir. Alors, qui nous en parle un petit peu de ce repas et de sa symbolique aussi? Sa symbolique, c'est un repas donc traditionnel arménien. Nous essayons de maintenir cette tradition du repas. Alors, ce repas aura lieu dans le bâtiment donc de la Maison des Arts. Dans les premières années, et puis même jusqu'à même aujourd'hui, c'était un repas qui était préparé par les militants de chaîne. Alors, militants de chaîne, pas seulement, mais avec l'aide des amis du Yantz, Gérard le premier, cuisinier au Yantz, nous a depuis des années donc aidé à préparer ce dîner avec maintenant l'aide d'Avedis, le nouveau cuisinier du Yantz, et évidemment avec l'aide des membres de chaîne qui préparent ce repas. Qui mettent la main au fourneau, oui. On peut dire ça. Et donc, ça prend une telle ampleur qu'il faut maintenant réserver longtemps en avance. Les places sont très chères. Ouais. Redonnerez tous les éléments pratiques. Oui, surtout ne tardez pas à réserver auprès de Conarig. On va dire son numéro de téléphone, 06 80 01 62 72. Alors je répète, 06 80 01 62 72 auprès de Conarig pour réserver le dîner du samedi soir. Écoutez, le message est passé parce qu'en fait, effectivement, c'est il y a beaucoup de personnes qui passent par la braderie. Combien de personnes, Souren? Il est difficile d'évaluer le nombre, mais nous, depuis des années, à peu près 1500 personnes passent. Et je rappelle que en passant à la braderie, en achetant des produits à la braderie, vous faites également des heureux, puisque en fait, tout ce qui est vendu, tout ce qui est produit, y compris pour le repas du soir, ça sert aux opérations humanitaires de chaîne France et via chaîne Arménie. Oui, tout à fait. Nous avions un slogan du démarrage de la braderie en, en,
en mentionnant que donner un sens à vos cadeaux, c'est, je pense, un peu la formule de notre braderie. Alors, nous arrivons maintenant un peu au terme de cette émission. Sur les initiatives de Chaîne France au-delà de la braderie, donc Soulaine, est-ce que quels sont les autres projets? Donc on a parlé des réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont venir? D'autres projets qui vont venir? Non, pas qui me sautent tout de suite à l'idée. On a un projet de peut-être faire un autre événement. On réfléchit sur un autre événement que celui de la braderie. Pour l'instant, c'est vraiment l'étude et on se pose la question d'en faire un deuxième. Pas d'autres... D'autres projets, non. En fait, ce que nous souhaitons, puisque je pense qu'on a démontré depuis des années notre... Compétence, on peut le dire. Compétence, oui, peut-être. Compétence. On ne mène pas 350 projets sans avoir une certaine compétence. Nous sommes transparents. Nous avons une association sœur en Arménie qui est au même niveau en termes de compétences, de capacités et de bénévolat. Je pense que ça, c'est important à le souligner. Ce que nous attendons, nous, c'est d'avoir du financement pour réaliser les projets. Donc, premièrement, c'est de faire une excellente braderie permettant donc d'avoir un bénéfice conséquent. Et attendons évidemment des donateurs, soit via des fondations, soit via les particuliers, pour nous permettre de faire de très belles réalisations en Arménie et en Alsace. Parce qu'effectivement, au-delà de la braderie, on peut faire des dons à Chaîne. Absolument. Tout au long de l'année, les gens peuvent effectivement participer. Et il faut quand même le redire, cet argent est utilisé conformément aux souhaits des gens, ça part en Arménie ou en Artsakh. Dans la totalité. Dire aujourd'hui, le fonctionnement de l'association fonctionne avec, les cotisations. Les frais de fonctionnement sont uniquement... Les frais de cotisation. Tout donc ce qui... En fait, les membres de Chaîne font juste une cotisation, ce qui sert à tous les frais de fonctionnement de Chaîne France, et l'ensemble des dons sert au projet. Complètement, à 100%. Ce qui est aussi un mode de fonctionnement qui est vertueux pour là-dessus, puisque vos déplacements, quand vous allez surveiller ce qui se passe, sont pris sur les cotisations et ne sont pas pris sur l'argent des donateurs. Absolument. Exactement. C'est tout à fait ça. Donc, les gens doivent le savoir parce que souvent, on entend des fois des associations qui ont des frais de fonctionnement énormes. Quelqu'un qui va donner 100 euros, il dit « Ah oh ben moi, il y a 20 ou 25 ou 30 euros qui passent déjà dans le fonctionnement. » C'est peu le cas dans le monde arménien quand même. Voilà. Je veux dire, si c'est pour bien expliquer que pour nous, c'est 100%. Voilà. Alors, juste peut-être en conclusion, tous les trois... s'il y avait un ou deux projets que Chaîne a mené, dont vous êtes particulièrement fier au cours de ces 31 années, Ovanès Kulchéian, qu'est-ce qui vous aura marqué, vous Écoute, il y en a eu tellement, mais moi je reviens, les Chaînagan vont encore me reconnaître là, c'est les toilettes de l'école de Hadrout, en Artsakh. Voilà, c'est l'hygiène. Alors, c'était une école avec des sanitaires à l'extérieur, dans un état lamentable, ne permettant pas aux enfants donc d'aller aux toilettes, disons, tranquillement. Nous avons décidé et obligé l'école de détruire ces toilettes à l'extérieur et d'en faire à l'intérieur, permettant aux enfants d'être quand même correctement à l'école, permettant donc un minimum d'hygiène. Enfin, moi, c'est un des projets, mais qui me marque parce que voyant ce qu'on voit au niveau de l'hygiène, même actuellement dans ces villages-là, c'est quelque chose de très important. C'était un établissement qui avait 564 de mémoire élèves, et nous avons réalisé 20 toilettes. 20 toilettes. 20 toilettes.
Alors vous, René Martaillon, est-ce qu'il y a un projet qui vous a tenu à cœur, qui vous a marqué au cours de... Moi, c'est le village de Yernajur, parce que le jour où nous avons décidé de mettre de le confort, je dirais, sanitaire dans chaque maison, c'est venu, je dirais, par le fait que deux dames, ce jour-là, on était avec Ohan... tout fainéant, et ces deux dames venaient chercher de l'eau dans le seul robinet qui était dans le village. Et puis elles nous expliquent que il y a un projet de barnik, c'est-à-dire de douche publique, dans ce village. Et elles disent, mais vous savez, monsieur, ici nous avons moins 20 pratiquement 6 mois de l'année. Comment voulez-vous qu'on aille dans des douches municipales? On pourra y aller que lorsqu'il fera effectivement suffisamment beau. Et à partir de là, ça a déclenché effectivement chez nous une réaction immédiate. Et il y avait également une association suisse qui s'appelle CASA qui était là, qui devait également financer un certain nombre de choses. On s'est réunis. On a fait en sorte que d'établir un projet, de mettre de l'eau dans chaque maison. Mais évidemment, il suffisait pas de mettre de l'eau. Ils ont l'eau chaude également. C'est un chauffage électrique qui leur apporte de l'eau chaude. J'aurais mis une kitchenette, une douche carrelée, des WC à l'intérieur, à l'occidental, avec un assainissement à l'extérieur. Chaque maison a été équipée avec carrelage dans la cuisine, par terre, sur les murs. Toutes les maisons ont une douche. Dans un village qui se trouve à 2200 mètres d'altitude, moi, ça, c'est ma fierté. Soulen, est-ce qu'il y a un projet qui vous a marqué ? Il n'y a pas un projet, parce que j'ai un peu moins d'ancienneté, forcément, mais moi, je suis très sensible à tout ce qui est refonte d'école, parce que les écoles, c'est forcément l'avenir. Donc, dès qu'on retouche à une école et qu'on améliore les conditions scolaires pour les enfants d'Arménie, moi, ça me touche. Il y a des choses qu'on fait, qu'on n'a pas évoquées, comme les colonies, où... on arrive à envoyer des enfants défavorisés en colonie. Ça, c'est très ponctuel, mais l'école, c'est plus durable. Donc ça, je suis très sensible à tout ce qui refonde des écoles. Bien. Alors, je l'ai dit en ouverture, Chêne, c'est aussi une aventure humaine, une aventure d'un groupe d'amis qui était là, un groupe de militants. Peut-être, Ovanès Kulcher, une conclusion. Oui, une petite conclusion avant de redonner quand même les éléments pratiques au niveau de la braderie qui se déroulera les 16 et 17 novembre à la Maison des Arts au Plessis Robinson. Alors vous pouvez y accéder par la gare de Robinson à partir du pont de Sèvres avec le numéro de bus 179. Alors n'oubliez pas également de réserver auprès de Conarigle. Rappelons le numéro. Je rappelle le numéro. Que je suis en train de chercher, 06 80 01 62 72. N'hésitez pas à l'appeler dès maintenant. Avant de conclure, de nouveau remercier IPFM, il y a un mot qu'on voudrait quand même ajouter. Il y a des membres de chaîne qui ont disparu, a marqué quelques années de difficultés pour l'association, mais on peut quand même rappeler cette année que l'association a été très très touchée par le tragique accident que la famille Toufanian, Haig, Marlène ont eu. Et Haig étant un ancien de l'association et toujours prêt à nous aider, nous avons été extrêmement touchés et marqués par l'événement d'essai d'Aram et de Marlène. Donc un petit, disons, une pensée. Pensée pour eux. Et voilà. Eh bien, écoutez, c'est sur cette pensée et sur cette émission qui leur est dédiée que se termine cette émission de Cartes sur Table. Merci à vous et à la semaine prochaine. Merci. Merci. Table.
Une émission proposée par Hype FM.